Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 1er août, donc nous sommes juste après les moissons, juste après la vidéo de la semaine dernière. Bah voilà, ça y est, on a tout fini en avance, donc là on va pouvoir entamer une autre phase de travaux, donc qui sont les préparations des futurs semis. Donc quand on finit les moissons, il y a tout un tas de petits travaux à effectuer avant de pouvoir ressemer une culture. Donc en l'occurrence, faut retirer la paille, broyer les tours de champ. On a énormément de fumier à descendre qu'on stocke sur la ferme, à descendre dans les champs pour pouvoir épandre le fumier. Les déchômages, les faux semis. Ben voilà, il y a toutes ces choses-là que je vais commencer à entamer cette semaine. Et ben du coup, je vous emmène avec moi pour vous rendre compte un peu de ce qu'on fait juste après la moisson. Donc vous avez tout le programme. Comme d'habitude, pouce bleu, allez vous abonner. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc les premières choses que j'entame avec vous ce matin, ça va être transport de fumier dans les champs et broyage tour de champ. Donc voilà ce qu'on va faire et puis il y aura certainement un peu de déchômage un peu plus tard. Je commence par changer de tracteur sur la benne. On va mettre le 826 à la place du 830. Ça sert à rien d'user les pneus du 830 à rouler beaucoup de fumier. Il n'y a pas besoin de gros de puissance puisque c'est pas si lourd que ça par rapport quand on transporte du blé dans la benne. Donc changement de tracteur. De plus. Donc vous allez me dire, mais Marc, d'où vient ce fumier? T'as pas d'animaux chez toi? Mais non, bah non, c'est pas du fumier qui vient de la ferme pour le coup. Alors l'essentiel de notre fumier provient de haras. Ici, il faut savoir qu'on est dans une région où il y a énormément de haras. C'est un peu la région du cheval ici. Donc on fait beaucoup d'échanges paille-fumier. On vend notre paille contre du fumier. Enfin voilà, il y a un commerce qui se fait autour de ça. Ce qui induit que le fumier que j'apporte ici est du fumier très très pailleux. Il contient peu de matière organique, donc de nutriments azotés pour finir. C'est beaucoup de matière carbonée. Ce qui est bien, c'est que ça a comme avantage de rapporter l'équivalent de ce que j'exporte en paille. Bah nous, forcément, quand on fait du blé, la paille, elle est exportée du champ pour être vendue. Tout simplement, le sol, pour produire un pied de blé, il a consommé de l'énergie, des nutriments. Et si on exporte sans arrêt nos pailles sans réapporter au sol l'équivalent de ce qu'il a donné à la plante, on appauvrit nos sols au fur et à mesure des années. Donc là, en tout cas, je vais avoir quelques remorques à faire. Il y en a pas mal à faire. Donc on va en apporter un peu dans tous les champs sur exploitation, sauf là, on va semer du colza. Donc le fumier qu'on apporte ici, on va l'épandre assez rapidement. Donc oui, j'ai récupéré aussi l'épandeur à fumier. Si vous avez suivi les mésaventures, l'épandeur à fumier s'était retourné, était complètement vrillé. On l'a mis chez le réparateur. Le réparateur l'a réparé et je l'ai récupéré il y a 2-3 semaines.
Du coup, bah, l'épandeur va être opérationnel à faire tous ces gros chantiers. Donc moi, ici, dans ma benne, j'en mets quand même pas mal. Ce qui est pratique, cette benne, quand même, pour faire bah, tous ces chantiers de fumier. C'est aussi la raison pourquoi on a une aussi grosse benne, parce que c'est vrai que sur notre exploitation, c'est pas trop nécessaire une aussi grosse benne. Donc là, je mets entre 40 et 44 mètres cubes, donc c'est pas mal. En poids, je saurais pas vous dire quel poids ça pèse. Je pense que du fumier pailleux, ça pèse 300 kg, 250 kg le mètre cube. On bloque toujours les cieux sur la route. Les cieux suiveurs, ça évite que... Il suffit que je prenne un peu trop au bord du fossé et que les cieux suiveurs, ils croient que je veux tourner, ils se mettent à pivoter. Et hop, la benne finit carrément dans le fossé. Dites-moi en commentaire si vous, vous bloquez les cieux suiveurs sur la route. Moi, je le fais systématiquement et c'est vraiment, je trouve, super important parce que je trouve ça dangereux sans ça. Mais il y en a plein quand je discute avec des collègues, etc. Eux, ils le font pas. Genre, c'est pas un truc qui les stresse, quoi. Pour eux, il n'y a pas de danger. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si vous, vous bloquez les cieux suiveurs. Donc là, je suis vraiment pas loin de la ferme. Hein. Je suis à 200 mètres de la ferme. Du coup, je perds pas trop d'énergie, de temps à faire mon transport de fumier, quoi. Avec le télesco, je suis quoi? Je suis 10 minutes à remplir ma benne, pas plus. Hein. Pas plus. Donc oui, on voulait charger le fumier avec la pelleteuse et le grappin à betterave, comme j'avais fait l'année dernière. Sauf que la pelleteuse, elle démarre pas, elle a plus de batterie. Les batteries sont à plat, donc même en branchant d'autres batteries, ça marche pas. Faut démonter les batteries, les recharger. Sauf que c'est en 24 volts, c'est deux batteries de 12 volts mis en série. Donc faut recharger les deux batteries, enfin, c'est un bordel. Du coup, on s'est dit, bon, on fait avec le télesco, c'est pas grave. Je récupère mon télesco. Et voilà. Allez hop. Allez hop. Et c'est parti. Donc ce fumier très pailleux va être incorporé dans le sol avec les déchômages qu'on va faire. Que voilà, ça nous a jamais embêté pour faire du semis après, même s'il y a un gros paillage. Et le paillage, au contraire, est quelque chose qui peut être bénéfique pour le semis, puisque bah, il va laisser à certains champignons bénéfiques de se développer. Ça va nourrir les vers de terre. Enfin voilà, ça va entretenir tout un écosystème, toute une biodiversité pour notre sol. Un petit paillage comme ça superficiel, c'est toujours bénéfique pour la culture suivante. Bon, le seul bémol au paillage comme ça, quand même, il n'y a pas que des avantages, c'est que ça va favoriser deux types de ravageurs. La limace en premier, les limaces vont se plaire, vont être protégées à l'abri du soleil, vont pouvoir se développer. Et aussi les mulots. Donc les mulots, pareil, ils sont protégés des buses, etc. Ils peuvent circuler tranquillement sans se faire manger par les renards ou les buses. Donc après, font des ravages dans les cultures. Donc c'est les deux seuls petits bémols, quoi. Il a la moelle, ce télesco, il est vraiment bien. Notre télesco, on en est content. C'est le seul truc qu'on n'a pas classe. Dès le départ, en fait, on avait travaillé avec Bobcat. Et bah, du coup, comme on est content et que ça nous convient, on n'a jamais changé pour le coup. Pas parce que le télesco de classe est nul ou quoi, hein. J'ai jamais essayé le télesco de classe, je sais pas ce que ça vaut. Enfin si, je l'avais essayé à Classe Academy, mais bon, là je l'ai essayé 2 minutes, donc je peux pas me rendre compte. Mais tant qu'on n'a jamais eu de gros soucis avec notre télesco, il est super puissant, marche bien, maniable, précis, donc... Pour le moment, il n'y a pas à changer de marque avec le télesco. On peut en mettre des quantités, hein, parce que ça se tasse bien le fumier pailleux comme ça. Hein. Mais bon, faut pas trop que je le tasse fort, parce que parfois, ce qui peut arriver, c'est que bah, quand je me baigner, bah, ça reste coincé, quoi. Je baigne à fond, mais le fumier descend pas, reste coincé. Et après, ça peut être dangereux aussi, parce que ce qui peut se passer, c'est que le fumier en haut de la benne reste coincé, mais tout le fumier en bas est descendu. Donc, il reste tout ce fumier en haut de la benne, et quand c'est baigné, bah, y a beaucoup de poids là-haut et ça augmente vachement le centre de gravité et le balourd de la benne. Et c'est comme ça qu'on peut cabaner des bennes, quoi. Allez hop, c'est tout bon. On va vider ça. C'est une fin de journée. Alors, je sais pas combien de bennes j'ai fait, parce que j'ai essayé de compter, mais j'ai rapidement perdu le compte. J'ai dû en faire une dizaine. Donc, bah, nous, on se retrouve demain pour certainement continuer ça, faire peut-être d'autres boulots. J'ai certainement une surprise pour vous vendredi.
Donc vivement vendredi, donc vous verrez bien. En tout cas, en attendant, moi je vous dis à demain. Bon les amis, ce matin on prend le 430 et on va broyer les tours de champ. On a juste le champ de blé de 30 hectares à faire tout le tour. Et après on reprend le chantier de fumier. Terminé, j'ai été deux petites heures. Donc on fait toujours ça après les moissons, de broyer tous les tours de champ pour entretenir, éviter que toutes les mauvaises herbes prennent le dessus sur la culture, que ça fasse propre, qu'il n'y ait pas d'arbustes qui poussent partout, enfin voilà. Donc là moi je vais reprendre le transport de fumier, donc on continue la journée hein. Changer de secteur, on a apporté pas mal de bennes dans le champ de 18,5 hectares. Donc là, on va aller emmener dans un champ de 9 hectares. On va mettre du fumier un peu plus décomposé puisque ça va être du blé sur blé. Donc voilà, on peut pas non plus qu'il y ait trop de paille. Et en parlant de paille, est-ce que ça vous dit que j'aille avec vous ramasser de la paille là? Je pense que ça va vous plaire parce que ça fait un nombre de fois qu'on me demande quand est-ce qu'on voit le transport de paille. Let's go en fait, c'est parti. Et voilà, un plateau de chargé. Donc là, on rentre le vidé à la ferme, on met tout dans le bâtiment. Donc sur un plateau comme ça, je mets 45 rouleaux. Donc ce qui est quand même pas mal, hein. C'est un beau plateau qu'on a. Là, j'ai un peu de route. Ici, on est dans un îlot de 30 hectares, donc celui qu'on avait moissonné ensemble. Faut savoir que dans cet îlot, quand il y a des bons rendements en paille, il y a jusqu'à 1000 rouleaux. Donc pour vous dire que ça occupe 5 minutes, quoi.
Donc forcément, il y a pas mal de paille. En général, c'est pas moi qui ramasse la paille. Là, j'ai l'occasion de ramasser deux plateaux. Du coup, je me suis dit, allez, je vous emmène avec moi, puisque depuis le temps que vous le demandez, comme le pressage, c'est pas moi qui presse, donc vous le verrez pas tout de suite. Mais enfin, dans cet îlot de 30 hectares, c'est divisé en deux parties. Il y a une pièce de 20 hectares et une pièce de 9. Voilà, on répartit comme ça. On fait pas toujours les mêmes cultures entre les 20 et les 9 hectares. Sur les 20 hectares, ça va être du colza, qu'on sèmera bientôt ensemble. Et sur les 9 hectares, ça va être du blé sur blé. Donc là, sur le blé sur blé, on va épandre du fumier. Là, on va semer du colza, on va pas épandre du fumier. On en a déjà apporté énormément l'année dernière. J'avais déjà fait une vidéo avec vous sur cet épandage là. Bon, on a un peu de route, on a 4-5 km, on rentre à la ferme, je vous filme un tout petit peu le déchargement et puis après je pense que ça sera bon. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Baby, check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. Cause up here it's breakneck paycheck. Bon, ben voilà, c'est bien. Bah moi je vais retourner au fumier. Finalement je fais qu'un plateau parce que mon père est revenu de Caen. Il a été chez Classe pour aller chercher des joints. Parce qu'on fuit beaucoup au niveau du boîtier de la pelle. Donc on perd beaucoup d'huile hydraulique, ça fait un moment que ça fuit. Donc mon père va s'occuper de réparer ça avant de continuer les chantiers de ramassage de paille. On fait un peu de tout dans cette vidéo, un coup de fumier, un coup de broyage, un coup de ramassage de paille, refumier. Voilà, au moins j'espère que c'est assez dynamique pour vous du coup. Donc en principe, quand on aura ramassé toute la paille, tout le bâtiment ici sera plein. Donc faut savoir que par travée, une travée c'est l'espace qu'il y a entre deux poteaux. Dans chaque travée, on peut mettre 250 bottes. Donc il y a 6 travées, ça fait 1500 bottes qu'on peut stocker dans ce bâtiment. Donc là, c'est parti. Ici, c'est un peu plus lourd le fumier. Là, l'826, il va en avoir plein la tronche. Il y a une grosse côte à monter pour aller au champ. Parfois, il part un boîtier en wheeling, il y a les roues avant qui se lèvent. Ou parfois, il se met à patiner des roues arrière. Je gratte au niveau des réos, ce qui déborde et ce qui risque de tomber. Ça évite que ça tombe sur des voitures ou sur la route. Parfois, ça déborde comme ça, mais c'est bien coincé, ça ne tombera pas. Je vais aller prendre un petit café, un grand verre d'eau juste avant. Je suis déshydraté là. Il fait chaud. Et bon, c'est pas du tout les températures que vous avez dans certaines régions ou que j'ai pu avoir la semaine dernière. Vraiment, là en vrai, il fait chaud, mais ça reste très très soutenable. Allez. Jeudi soir et je suis arrêté dans mon chantier. Pourquoi il est dans l'atelier lui? J'avais dit quoi en début de vidéo? Tant qu'on n'a jamais eu de gros soucis avec notre télesco. J'avais dit qu'on n'avait jamais eu de problème sur les bobcats. J'aurais dû me taire. Mais tout simplement, grosse fuite hydraulique au niveau du bras. C'est à l'intérieur du bras, ça coule par l'arrière du bras et ça tombe par terre. Ça doit être inflexible à l'intérieur ou quoi. On a appelé les mécanos en demandant si c'était facile ou pas. Ils nous ont dit c'est simple, quand on est deux, on met 4 heures. Donc c'est clairement pas nous qui allons s'en mancher à faire ce job, parce que nous déjà qui ne sommes pas mécanos, on va mettre le double d'heure alors. J'espère qu'ils vont pouvoir venir demain, parce que moi j'avais une petite surprise pour vous demain justement. Et si j'ai le télescope bloqué, bah je suis bloqué pour ma surprise aussi. Bon les amis,
Aujourd'hui, du coup, je vous ai pas repris. Les mécanos de chez Bobcat vont venir que lundi. Donc pour l'instant, on est arrêté dans nos chantiers de fumier. Aujourd'hui, j'ai quand même travaillé pour vous pour faire une vidéo, mais pas pour cette vidéo-là. Donc là, j'ai préparé entièrement la batteuse pour les moissons de févrole qu'on va essayer d'entamer lundi. Donc j'ai fait plein de changements. Tout ça, j'ai filmé, mais ça sera pour la vidéo des moissons de févrole. En tout cas, là, du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller atteler le déchaumeur et on va aller déchaumer. Hein. On sait plus quoi faire. Hein. Là. Bon, et ben voilà, tout est prêt pour aller déchaumer, mais ça va être une fin de vidéo pour nous. Le déchaumage, vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'on a déjà passé une belle semaine ensemble, il y a eu beaucoup de choses, j'ai pu vous emmener dans beaucoup de travaux. Là, on est vendredi, la vidéo, je la sors demain. Donc simplement, pour vous, je vais vous dire à la semaine prochaine, et pour moi, ça va être demain. Moi, j'enchaîne tous ces travaux-là demain. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pouce bleu, allez vous abonner. Il y a quand même un truc bizarre quand même. On n'a pas perdu 200 au niveau du chiffre? Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dans la prochaine.